Donc aujourd'hui, on est là pour parler de la partie SNOP IBP, donc dans le cadre de la division d'Inasis. Notre préoccupation, c'est le SNOP. Notre centre d'expertise et ce qu'on essaye d'apporter à nos clients, ce sont des solutions de demand and supply chain planning qui couvrent l'ensemble des processus du SNOP. Cette matinée a été très intéressante, je crois, pour l'ensemble des parties. On a pu à la fois partager nos retours d'expérience en tant que cabinet de conseil. On a pu observer les avancées significatives dans les solutions technologiques que propose Inasis auprès de ses clients. Et en effet, le retour d'expérience client qui a été présenté a permis de mettre en lumière un retour très opérationnel d'un projet de transformation qui allie à la fois la dimension process, organisation et solution. De par l'expérience chez RPC, ce qui nous semble important pour mettre en place du SNOP, c'est d'abord de gérer ce déploiement en projet, donc en gestion de projet, avec les outils traditionnels de la gestion de projet. Ensuite, un point clé, c'est de former ses équipes au SNOP. Troisième point très important, l'implication et le soutien de la direction, non seulement pour le déploiement, mais également pour l'exécution du process SNOP. Et ensuite, de veiller à avoir des données cohérentes, donc d'avoir des systèmes qui permettent d'identifier des alertes, des données anormales ou imprécises pour y remédier. Au final, ce qui est important avec le SNOP, c'est de bien aligner les fonctions commerciales et opérationnelles afin de satisfaire la demande client. Alors, l'élément essentiel, c'est déjà de positionner le processus SNOP au bon niveau. Ce n'est pas un processus qui doit être au niveau de la supply chain, mais c'est bien un processus d'entreprise, ce qui va impliquer deux choses. La première, la maîtrise du processus et le pilotage de ce processus au niveau de la direction des entreprises. Et le deuxième point, c'est l'intégration de l'ensemble des participants, que ce soit commercial, marketing, production, R&D, donc toutes les personnes qui peuvent être amenées à être impliquées dans le processus. Ce que va permettre la solution d'Inasis, c'est d'être en fait la colonne vertébrale du processus. Un outil ne fait pas tout. On l'a bien vu, c'est un processus avant tout, le SNOP, c'est une organisation que l'on doit mettre autour. Mais pour que l'organisation puisse décider au final par rapport à tout un ensemble d'informations qui vont venir d'un nombre de sites et d'un nombre de clients très étendu, il faut pouvoir avoir une solution qui permette de consolider ces informations pour permettre de les rendre visibles et de permettre de décider réellement. Under that old...